Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'Open de Bretagne, ici au Liberté, pour la deuxième fois au Liberté, 15e édition du plus grand tournoi de tennis breton, on va le dire comme ça, hein, parce qu'on est un petit peu chauvin, et on va se régaler en tous les cas toute la semaine. Chaque jour, à 15h, on se retrouve pour le talk de l'Open avec de nombreux invités, à commencer par le directeur du tournoi, Mathieu Blestot, qui est en notre compagnie. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Avec celle qui représente le partenaire titre, c'est Clarisse Delorme. Merci d'être avec nous, Clarisse. Mais merci à vous. Voilà, pour le groupe Blo qui adosse son nom à cet Open de Rennes. Et puis, un garçon que vous connaissez très bien à ma droite, c'est Marc Jiquel. Bonjour Marc. Bonjour. Le meilleur joueur de l'histoire du tennis breton, on le dit toujours chaque année, mais on ne s'en lasse pas. Et puis, vous êtes venu avec un jeune joueur, c'est Clément Chidec. Bonjour Clément. Bonjour. Et félicitations. Merci beaucoup. Parce que vous êtes qualifié tout à l'heure, vous êtes issu des qualifications, c'est comme ça qu'on dit, et vous jouerez le tournoi principal. Vous avez gagné facilement aujourd'hui. Hein. Oui, en 2-7. C'était serré quand même dans les jeux, mais. 6-1-6-1, c'est pas serré Il y a eu des jeux compliqués de ça, mais ça. Pas mal tourné en ma faveur, donc assez content de ça. On va reparler avec vous justement de cette vie des joueurs que vous êtes, parce qu'on parle toujours des mégastars, mais avant d'arriver dans les grands tableaux, dans les grands tournois, hein, vous le savez bien, Marc, il faut passer par des qualifs et puis parfois se révéler. On a vu la semaine dernière à l'US Open une jeune fille qui est sortie des qualifs et qui a gagné le tournoi, donc ça veut dire que ça arrive parfois. Ça arrive souvent même. C'est même arrivé à Rennes avec un lucky loser. Oui. Qui avait battu Rublev en finale à l'époque, Ignatic. Bon, on n'a pas beaucoup revu derrière, Il a eu sa semaine de gloire. Il était lucky loser et il avait battu Rublev, et lui par contre Rublev depuis, il a fait un petit bout de chemin. Ouais, il a fait un petit bout de chemin. Et puis dans quelques secondes, on aura une très belle surprise, puisque Manuel Guinard sera sur ce plateau pour nous parler de sa qualification. Alors on va commencer avec vous tout d'abord, Mathieu. Ça y est, c'est lancé. À chaque fois, on attend le lundi, le tournoi. Ça y est, cette fois-ci, c'est parti. Ouais, c'est parti. On est content. Tout est prêt. Il y a déjà énormément de monde. Je crois que sur le terrain, ça se passe pas trop mal. Les joueurs sont plutôt contents des conditions de jeu. Donc voilà, maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à profiter, à se faire plaisir et puis à se retrouver tous ensemble, parce que ça fait vraiment du bien de retrouver un grand événement comme ça. Ça faisait longtemps et ça nous manquait. Et puis on l'a dit, il n'y a pas de grand tournoi sans grand partenaire. Alors on a beaucoup parlé de la ville, de Rennes, qui soutient cette épreuve depuis maintenant 15 ans. Et puis un grand partenaire qui vous a rejoint, qui est représenté par Clarisse Delorme, qui est à vos côtés. Clarisse, c'est vrai que pour le groupe Blo, c'est une mise en lumière, ce tournoi. Alors, vous connaissez évidemment par rapport au Stade Rennais. Là, c'est une autre façon de se faire connaître et je crois que ça marche bien. Ça fonctionne plutôt bien. Les places partent très, très vite. Hein, ouais. On est beaucoup demandé. C'est vrai que c'est un tournoi qui fait vivre aussi en local et qui a une résonance et un rayonnement même au-delà. Mmh. Donc, on le voit, on a des agences un peu partout dans le Grand Ouest et ça résonne, oui, effectivement. Donc, on est ravis de faire partie de l'aventure une nouvelle fois et puis d'être là aussi. En plateau et de représenter un petit peu l'ensemble du groupe. Ouais. Alors c'est vrai que David Blo avait pris le pari de s'adosser à votre tournoi. Pari gagnant, pari réussi, parce qu'on en parle pendant la semaine de l'Open, mais pas seulement. Pas seulement, en fait, nous on fait vivre l'événement, alors beaucoup en amont, mais aussi beaucoup après. C'est important pour nous de faire vivre aussi cet événement, même après les Jeux, place. Ouais. Parce que ça attire aussi pour nous nos clients, ça attire aussi tous nos collaborateurs qui viennent sur place. Et donc nous, voilà, on aime bien aussi tirer parti de cet événement majeur. Clarisse, est-ce qu'on vous verra en tenue de tennis pour le tournoi des partenaires le week-end prochain? Est-ce que vous avez vu quand même la tenue? J'ai un petit haut jaune, j'ai le pantalon blanc. Voilà, donc oui, mais d'ici le week-end prochain, je suis sûr que Mathieu va vous trouver l'équipement nécessaire. Hein. Oui, mais un peu de patience. Un peu de patience. On fait les choses petit à petit. Ça dure quand même une semaine. Hein. Ça dure donc une semaine, voilà. C'est comme un 5-7 de tennis, il faut y aller tranquille, mais on sera prêt évidemment avec vous. En tous les cas, merci au groupe Blo de soutenir cette épreuve qui rayonne. C'est vrai que merci à Clarisse. On est ravis. Je sais que vous êtes très occupé, on vous libère quand vous voulez. Marco, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce tournoi. En amont, dès l'annonce de Richard Gasquet, plusieurs semaines, on voit que ce tournoi est grandi et j'imagine que vous, le Breton, vous êtes ravis. J'ai joué depuis, ça fait, je ne sais plus combien d'années, j'ai joué, disputé le tournoi. J'ai commencé, moi, je n'ai pas fait la première édition à 2006 au Patton. Ouais. J'ai fait les éditions suivantes à Colette-Besson. Mmh. Moi, j'ai eu des très bons souvenirs puisqu'en 2010, j'ai gagné le tournoi. C'est vrai que quand on le voit évoluer comme ça, moi, je trouve ça incroyable. Mmh. Et puis, ça récompense un peu le travail de Mathieu ou de toutes les personnes qui sont dans l'organisation, d'avoir un plateau comme on a cette semaine avec Richard Gasquet, avec Andy Murray, Luc Capouille, avec Gilles Simon. Il y a un super plateau
Et j'attends d'avoir un très beau spectacle cette semaine. C'est fabuleux pour tout le monde. Moi, alors, je suis impatient. Nous, on est très chauvin, c'est normal. On trouve que tout est beau, tout est fantastique. Et moi, j'aimerais avoir le regard d'un Strasbourgeois. Pas Strasbourgeois ? Arlésien. Arles, pardon, Arlésien. Quel regard on a quand on vient justement de l'extérieur, quand on vient en Bretagne ? Comment ça se passe ? Pour moi, c'est fantastique parce que bon, j'ai commencé l'été à 1900. C'est vrai qu'avec l'accent, excuse-moi, on pourrait pas se tromper. 1900e place mondiale, donc j'ai dû jouer les futurs, les qualifications de futurs, tout ouais. ça. Et pour moi, c'est un peu un rêve de jouer ici. Le central, c'est d'énormes conditions. La première fois que je suis venu ici, je croyais même que j'allais être sparring, tellement ça me semblait l'organisation. Ouais, tout ça. C'est magique. Hein. J'avais déjà été à Montpellier et l'organisation n'a rien à envier à des tournois comme ça. C'est vraiment magnifique, le cours est superbe. Et donc là, c'est que du bonheur, que du plaisir. Clément, vous avez participé donc au qualif, hein, parce qu'on va expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément très bien le tennis que pour intégrer un grand tableau comme celui de l'Open de Rennes, avant, il y a la possibilité pour des joueurs qui sont un petit peu moins bien classés de disputer des éliminatoires, on va appeler ça comme ça, des qualifications. Il y a très peu de tickets qui sont donnés, hein, 3 seulement, et vous en avez remporté. On va donner d'ailleurs les résultats du jour. Hein. On va vous dire que, par exemple, l'Italien Bega a battu Drogué en 3 manches, que Calvin Emery a battu un ancien vainqueur de l'Open de Rennes, c'est Kenny De Schepper 6-4-7-5, que vous-même, vous avez battu Clément Dan Haddad 6-1-6-1, et puis le dernier, eh bien, on va l'accueillir dans quelques instants sur ce plateau, il n'est pas très loin, Manuel Guinard, le Malouin, qui va venir nous rejoindre sur le plateau du talk de l'Open, parce que le match est terminé il y a quelques instants, j'imagine que vous connaissez bien avec Manu. On s'est rencontré sur ce tournoi, oui. Mais j'avais pas l'habitude de jouer ce tournoi-là, lui un peu plus que moi. Donc on a fait connaissance dès le premier jour. Très sympa. Donc, Vous allez avoir l'occasion de taper la balle avec Manuel Guinard qui sort du cours central de Liberté. Manu, la place est là. Et félicitations également pour cette qualification pour le tableau final. Vous vous êtes imposé face à un joueur allemand qui n'était pas simple à jouer. On a regardé le début de match. On va d'ailleurs découvrir quelques images de ce match. Début de match un petit peu compliqué. Lui servait très bien. Vous, il y avait un petit peu, peut-être un manque de repères encore dans la salle Non, juste un peu de mal à me faire cette trajectoire assez tendue. On vous voit, c'est toujours un moment important au moment de rentrer sur le court. Qu'est-ce qu'on se dit là dans la tête ? Parce qu'il y a les copains, il y a la famille, il y a le coach, il y a tous les gens qu'on connaît. Ouais, c'est la fumée, c'est mythique, ça, ça te met dedans direct. Faut pas être trop frais, mais non, c'est bien, ça te met direct dans le match. Et voilà quoi. Et on va découvrir les tout premiers échanges de cette partie. En tous les cas, il y avait encore quelques échanges. Là, on s'est arrêté à l'entrée sur le court, mais il y avait encore des balles. Et ça, c'est un point qui va certainement vous marquer. Voilà, avec des échanges extrêmement compliqués. Et là, ça passe. C'est la balle de match. Et c'est une victoire en deux manches, 6-2-6-3. Face à un Allemand compliqué, classement très lointain, mais on a regardé le début de match, on s'est dit, oh là, c'est quand même du lourd, ça servait fort. Hein. Ouais, mais je le connais un petit peu, il s'entraîne avec Moring et Hauteux. Oui, c'est un mec qui a l'habitude d'avoir des qualités de balle un peu fortes et un peu comme la mienne, donc du coup, c'était pas facile, il jouait vraiment très tendu, donc j'ai dû faire un match solide pour passer en 2-7. Bon, vous êtes tous les deux français, vous savez, vous connaissez cette stat, hein. 14 éditions pour l'instant, 7 victoires françaises. Il faut faire basculer la stat du bon côté. On est d'accord, les garçons ? On va essayer. Bon, en tous les cas, ça va être génial. Ça lance bien cette Open Blow. C'est vrai que voir Manu. Alors, on va parler un petit peu de Manu avec vous, Mathieu Blesseau, parce qu'il n'avait pas d'invitation. Il n'avait pas d'invitation pour intégrer le tableau, parce que c'est vrai que cette année, quand on voit les invitations, c'était un peu compliqué. Quand Andy Murray demande une invitation, il comprend, Manu. Et puis, en plus, blessé la semaine dernière, ça va mieux le dos. Ouais, alors il m'est arrivé un truc énorme en Bosnie, j'ai fait 3 points et je me suis bloqué le dos alors que j'étais chaud et tout, et je suis un peu un miraculé, jusqu'à la veille j'étais pas sûr de jouer, donc franchement, grâce au kiné et tout, Charles qui m'a bien remis sur pied. Notamment, et ouais, j'ai deux énormes ventouses là dans le dos. Je suis tenu par des tapes et tout parce que sinon ça le fait pas, mais ouais, donc on va faire attention. Et puis après aussi, j'ai le double en plus, oui, il y a le double avec Alba, donc, oui, d'ailleurs, oui, parce que vous jouez pas avec Arthur, Rindarknecht. Non, il joue avec Hugo. Il y a une question dans le couple. Non, pas du tout. Non, il s'était mis d'accord avant avec Hugo et moi en fait.
vu que je avec le dos et tout ça, ouais. Je savais pas trop. Donc après, par vous contre, avez trouvé un bon serveur quand même. Oui, ça va. Ça va. Ça va un peu descendre. Ça va. Un petit mot justement sur ces cas de figure et des crève-cœur parfois pour les organisateurs de tournois de se dire, bah évidemment, Manu, ça fait je sais pas combien d'années que vous l'invitez, vous avez invité jusqu'à la fin de sa carrière, sauf que là, ça passe pas. Bah, déjà, on souhaite ne plus avoir besoin de l'inviter. Ça voudrait dire qu'il serait rentré dans le top 100, par exemple. Et puis, c'est vrai que la règle a changé aussi. On avait deux wildcards avant l'invitation, on n'en a plus qu'une. Ouais. Donc déjà, ça restreint énormément de choix. Ouais. Et cette année, on a Andy Murray qui nous a demandé la wildcard. Et c'est vrai que quand on a une telle légende, même si Manu, c'est une légende à Rennes, c'est difficile de refuser. D'autant plus que c'est vrai qu'on savait que Manu était un peu blessé. Donc c'est toujours plus délicat de donner une wildcard quand on n'est pas sûr de l'état de forme du joueur. Voilà, maintenant, Manu, c'est vrai que nous, à l'Open, on a un attachement particulier. Parce que il a fait vibrer Colette Besson à l'époque. Ouais. On se souvient de la victoire contre Gulbis. Donc voilà, évidemment, tout le monde l'adore ici. Il soulève les foules parce que c'est aussi un joueur qui a ça en lui, de savoir jouer avec le public et tout. Donc ça, c'est sympa aussi pour nous. Mais ça, j'avais on l'a fait à la méthode US. Hein, voilà, mais ça, j'avais envie d'avoir la réaction de Marc. On va lui donner le micro parce qu'il y a des joueurs. Quand on jouait à huis clos, bon, qui était peut-être moins impacté que des joueurs comme Manu qui joue avec le public, qui a besoin de cette énergie. Bah, Manu a été, je pense qu'il faudrait lui demander, mais un peu impacté le fait qu'il n'y ait pas de public. Quoi, ouais. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un, quand on l'a vu à Colette Besson, pour ceux qui l'ont vu jouer, c'est qu'il joue vraiment avec le public, il les chauffe, il attend que ça. Quoi. Ouais, c'est des joueurs comme ça. Ça s'est vu encore. Hein, là... On a envie de voir des joueurs comme ça. C'est au lieu de voir des joueurs lisses. Après, il faut tout pour faire un monde. Hein, on sait que les Bretons, c'est un peu de caractère. Clément, quand vous jouez dans votre région, c'est sympa de sentir justement cette atmosphère derrière soi. Ah ouais, c'est super. Bah, surtout de voir un peu la famille, les amis nous supporter. Ça met un peu plus de pression. Ça met un peu de pression, mais c'est aussi ça qui fait bien jouer. Et puis, c'est aussi pour ces gens-là qu'on a envie de bien faire et bien jouer. Donc, forcément, c'est un plus quand on joue chez soi. Un petit mot, monsieur le directeur. On sait qu'il y a eu deux forfaits entre le tirage au sort de samedi après-midi que nous avons réalisé ensemble et le début du tournoi. Ça veut dire qu'il y a deux places qui vont se libérer parmi ceux justement qui ont perdu au dernier tour des qualifs, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle les lucky losers, des perdants chanceux. Et donc effectivement, il va y avoir un tirage au sort entre les joueurs qui ont perdu au dernier tour des qualifs pour savoir qui pourra intégrer le tableau final, puisqu'il va falloir remplacer deux noms du tableau final qui finalement n'y seront pas parce qu'ils se sont retirés pour blessures. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle 8 losers. Alors voilà, on le disait tout à l'heure, on a eu... C'est mieux de gagner, comme ça on n'est pas attributaire d'un tirage au sort, on est plus serein. Mais voilà, ça arrive, on va pas dire souvent, mais des belles histoires de lucky loser qui gagnent les tournois, ça arrive quand même de temps en temps, c'est toujours marrant. Ouais, c'est ça, Ignatique, on en parlait tout à l'heure. Donc sur Stakowski a été sur un ATP 250, lucky loser vainqueur. Ouais. Il y a des belles histoires. Ouais, il y a des très très belles histoires que finalement... On n'a plus rien à perdre, quoi. On est là, c'est que du bonus. Bon, là le lucky loser qui va aller au bout. Ouais. mais c'est ton jeu, mais. Ouais, dans la partie, Ouais, mais quand est-ce qu'on sait d'ailleurs le tirage au sort va avoir lieu, je pense, dans les prochaines. Je pense qu'il a eu lieu. Il a eu lieu. Bon, on va essayer de regarder. On va tricher discrètement. On va regarder sur le. Juste pour revenir sur Clément et Manu, c'est vrai que cette année, on parle beaucoup des grandes stars de l'Open, les Murray, les Gasquet et compagnie, mais c'est vrai qu'un tournoi comme ça aussi, c'est fait pour pousser. On a donné la wildcard qualif aussi à Clément. C'est fait aussi pour pousser des jeunes, les aider à glaner leurs premiers points, jouer sur des cours un peu plus sympas que sur les futurs, etc. Donc c'est aussi ça la vocation d'un tournoi comme l'Open Blue Rennes. Et puis c'est l'autre vocation aussi, c'est d'aider les joueurs locaux, c'est de mettre en avant un peu en lumière les joueurs du coin. De la Ligue de Bretagne. Et là on a deux exemples. On a Murray, on a Gasquet, mais on a aussi Clément et on a aussi Manu. Et je suis pas persuadé qu'il y ait moins d'ambiance sur le match de Manu que sur le match de Murray ou de Gasquet. Bon, en tous les cas, la déclat qu'on a entendu, que vous avez fait conjointement avec Nico Mahut, vous-même, vous avez tous reconnu que c'était extrêmement rare d'avoir un challenger d'un tel niveau. Ça va être difficile de faire mieux que cette année. Après, je disais à Nico, le seul challenger qui pouvait être mieux que cette semaine à Rennes, il y a des circonstances particulières, c'était entre le tournoi d'Indian Wells et de Miami, parce que tous les joueurs étaient autorisés à s'inscrire.
Donc il y a eu, moi j'ai pu le disputer et il y avait Söderling qui était en qualif. Ouais, c'est pas mal. Fait, c'est parce qu'ils avaient déjà donné des wildcards sur Berdych au deuxième tour. Ouais, c'est pas mal. Qui avait perdu en finale sur Söderling. Donc à part ça, c'est une exception parce que c'est un peu particulier. Mais ouais, avec Nico, on en discutait. On n'avait jamais vu un challenger aussi fort avec des noms comme on a cette semaine. Si on faisait un petit peu la rétro de cette Open, chaque jour, on va vous proposer de remonter le temps. Et on va partir en 2006, parce que c'était la date du tout premier tournoi, du tout premier Open de Rennes. On va voir les deux premières éditions qui se déroulaient à l'époque à l'AS Patton Rennes 35. 2006, vous le reconnaissez, c'est Joe Wilfried Tsonga qui remporte cette toute première édition. C'est vrai que pour lancer un tournoi, avoir Tsonga en premier lauréat, c'est bien. Mais est-ce que vous vous souvenez du deuxième lauréat en 2007? Alors que là, on va voir avec Olivier Monterrubio, c'est une autre époque, hein. C'était avant-hier, on va dire. Voilà, Thierry, on avait encore des cheveux. Enfin, c'était... Voilà. Et 2007, Pechner. Philippe Pechner. Philippe Pechner. Du top 100 aussi. Et j'imagine que ça doit vous faire plaisir, Marc Jiquel, de voir ces images, parce que vous avez joué. J'ai joué des matchs par équipe pendant 5, 6, voire 7 années là-bas. Ouais. Mmh. Donc j'ai de très bons souvenirs. On a joué avec des joueurs comme Mickaël Diodra, comme Cyril Saulnier. Non, et de très bons souvenirs, sachant que le club n'existe plus. Ouais, il y avait Olivier Delette. Il y avait... Ça, c'est l'ancienne génération. Il y a eu un paquet de bons joueurs à jouer à l'AS Patton. Et c'est vrai qu'avant qu'il y ait un tournoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore forcément de tournoi à Rennes, et ben, les passionnés de tennis que nous sommes, et ben, on allait voir, hein, Mathieu, les matchs à l'AS Patton. Ça fait quoi de voir ces images? On n'était même pas encore à Colette Besson. Non, bah, c'est chouette de voir ce qu'on peut faire quand on arrive à fédérer des collectivités, quand on arrive à fédérer des partenaires, et de faire évoluer. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de rendre hommage, que moi je suis aux manettes de l'Open que depuis 5 ans maintenant, depuis 2016. Mais si on en est aussi là où on est aujourd'hui, oui, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Ça fait partie de l'histoire. Par Thierry Héon, qui est cofondateur avec Thibaut Serre de l'Open, et que c'est aussi un cheminement. Et c'est aussi l'occasion de dire que l'Open de Rennes, il appartient à personne, sauf à ses partenaires, et peut-être que après moi, ce sera quelqu'un d'autre, et que l'idée, c'est que personne n'est irremplaçable. On est bien d'accord, mais l'Open est une belle longue vie, quoi. Voilà. Alors, on voit quelques commentaires. Hein. Vous pouvez nous laisser vos commentaires. On voit Arnaud Ladagnous qui nous dit vive la liberté et je liberté. Bon, bref. Bonjour. Bravo régional de l'étape, Manu, qui est avec nous. Quel sera son adversaire? Alors, je suis. C'est pas encore actualisé, hein, le tableau. Sur l'appli de l'ATP, mais ça va l'être dans les prochaines secondes. Sinon, vous allez sur le site de l'Open de Rennes, l'Open Blow de Rennes, et vous allez avoir dans quelques minutes, tout ça réactualisé. Vous connaîtrez dans quelques instants. Vous avez des préférences? Vous avez déjà regardé tous les deux un petit peu sur qui vous pourriez... Non. Alors moi j'ai pas trop regardé. voilà, Enfin moi j'ai plutôt fonctionné match par match, et puis après on verra. On verra un peu à la suite, je sais pas si Clément, est-ce qu'il y a un petit coup d'œil quand même, voir où on peut tomber? Non, aujourd'hui, on a un peu regardé ça, mais pareil, c'est un objectif de se qualifier, donc je suis pas allé regarder beaucoup plus loin, mais j'ai vu un peu sur qui tombaient les qualifiés, et il y aura forcément des bons matchs. J'aimerais bien jouer Thomas Matchak, j'adore le polonais. Ce jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Qui est tête de série, hein. Non, il est pas... 4, 5, 5, ouais. 8. 8, ouais, donc ça pourrait être un match sympa. J'aime bien comment il joue. Ah, ça s'était bien passé? Ouais. Donc il y a des infos à passer entre les deux pour aller loin. C'est vrai que c'est sympa. Alors, on parle beaucoup d'Andy Murray et de Simon et de Gasquet, etc. C'est sympa aussi d'avoir des jeunes Français qui... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi ça, les belles histoires des tournois Challenger. C'est Manu il y a 2 ans, à Colette Besson. C'est aussi ce qui fait partie de l'essence même des tournois de Challenger. C'est aussi, des fois, on a des surprises. Et alors là, les gens vont venir cette année pour voir les stars. Mmh. Vous allez peut-être aussi découvrir cette année des joueurs que vous connaissez pas. Mais les teams, les Tsitsipas, les Rublev, ils sont tous venus ici. Je connais quelqu'un qui a battu Team ici, par exemple.
Ouais, ouais. Ah ouais. Dimitrov, on a eu aussi. Dimitrov aussi, évidemment. Donc là, peut-être que vous venez voir l'Open Blue Arena pour voir Murray ou Gasquet, mais peut-être que vous allez découvrir un joueur que vous ne connaissez pas, et dans un an ou deux ans, il sera en demi à Roland Garros. Exactement. C'est aussi ça, les tournois Challenger. Bon, c'est toujours pas actualisé, on sait toujours pas contre qui vous jouez, mais en tous les cas, on va nous se pencher sur les deux grosses affiches de la soirée à suivre à partir de 18h45 chaque jour sur TVR. On fait un petit peu d'autres promos, c'est normal. Et on va se régaler avec Andy Murray qui sera à 18h45 sur le central face à un Allemand, Madden, qui est un vrai joueur de Challenger, enfin plutôt haut du panier. Il a intégré le top 100, il n'est pas resté très très longtemps. Après, c'est un joueur qu'on voit plus souvent sur les tournois de Challenger. Un joueur qui a un beau jeu, qui joue en cadence des deux côtés, qui n'a pas un coup qui fait vraiment mal. Donc, contre Murray ce soir, ça va être un match, je pense, où il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de rallye, forcément, où je mets une pièce sur... On va pas mettre tout de suite le all-in, parce qu'il y a une soirée poker, c'est ça hein. Ah ouais, mais le all-in, faut pas le mettre sur Madden, quand même. Enfin, c'est risqué. Après, ça dépend comment on joue, hein. Si on est agressif ou pas, mais ça se tente. Non, il ne mettra pas. Les garçons, un petit regard quand même sur Andy Murray qui vient à Rennes. Vous allez regarder son match, est-ce que vous allez le voir à l'échauffement? Est-ce que vous avez essayé de taper la balle avec lui? Comment ça se passe? Moi, je l'ai croisé hier dans les couloirs et j'ai baissé la tête. Parce que mon joueur préféré quand il est plus au top maintenant, j'adore toujours, je le suis beaucoup. Et non, ce soir, forcément... on est joueur le matin, mais quand Andy joue, on est spectateur le soir. Donc, ça va être sympa de le voir. Ouais, il y a plein de choses à retirer, hein, j'imagine. On va de voir un Andy Murray comme ça. Bah, on va essayer de s'inspirer. Il y a des choses à faire. Clairement. Après, voilà, on va. Si c'est pas trop tard, bien sûr. Mais ce sera sur TVR, c'est bien. Ouais, et puis en replay, donc voilà. Non, mais bien sûr, on va regarder. C'est pas tous les jours qu'on peut regarder des. Des joueurs de ce niveau-là, donc bien sûr, on va être là. Ouais. Voilà, il y aura Erwan Ergué en plus aux commentaires, donc il ne faut vraiment pas rater ce superbe rendez-vous. Et puis, il y aura un autre match derrière avec Richard Gasquet. Ça aussi, c'est génial d'avoir... c'est une légende du tennis français, il fait partie des mousquetaires, quoi. Enfin, c'est monsieur Richard Gasquet et son revers. C'est aussi... on parle beaucoup de Murray, mais c'est vrai que Gasquet, c'est aussi un truc de dingue d'avoir un truc de ça. Je pense que beaucoup de gens ne mesurent pas sa carrière parce qu'il a été très précoce et on a souvent peut-être attendu beaucoup de lui, mais le gars, il a quand même été 7e mondial, il a fait demi à Wim, c'est juste un palmarès. Ouais, c'est fou, juste... Donc voilà, c'est aussi... voilà. Et en plus, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et en plus de ça, c'est un mec hyper simple, hyper sympa, disponible. Top, ouais, Donc voilà, il est venu au tirage au sort, samedi, il a joué le jeu, il est venu, et puis il était cool, quoi. Enfin, franchement, c'était pas une punition pour lui d'être là, ça se voit, il était content d'être avec tout le monde et d'échanger avec... C'est top, donc voilà, on est d'autant plus ravis de l'avoir avec. Bon, messieurs, vous voyez cette magnifique balle que vous allez tous dédicacer, c'est déjà fait pour ma droite, Manu, il faudra dédicacer la balle, tiens, on va te la donner pour que tu travailles un petit peu. Pour la gagner, cette balle, eh ben, vous allez jouer avec nous, et vous allez, on va vous mettre des petits éléments pour pouvoir jouer et donner le nom du vainqueur de cette épreuve, éventuellement son adversaire et le score. Celui qui va se rapprocher le plus de tout ça, eh bien, repartira avec une balle qu'on va dédicacer chaque jour. Ça y est, ils ont dédicacé. Maintenant, bah, faut se lancer. À part Manuel Guinard, qui peut gagner cet Open avec le micro? Attention. À part Manuel Guinard, parce que ce serait trop facile. Monsieur Chidec. Donc la réponse, on la connaît. Ils sont comme ça. On vous le souhaite évidemment à tous les deux, mais comme ça, c'est ce que vous ressentez, comme ça, c'est... Le tableau est tellement dense en fait que c'est dur de mettre une pièce sur un joueur en particulier, parce que là vraiment, on sait que dans les tchals tout le monde joue bien, mais là, je pense qu'on est, quand même un step au-dessus, et là... Franchement, j'ai aucune idée. C'est vrai. Aucune... Bah déjà, on peut assister à un quart. Ouais. Murray Gasquet. Ouais, donc ça met le niveau un peu. On peut avoir ça. Donc, ouais. Mais et Arthur qui est en bas, tiens, votre copain Arthur. Ouais. Il a le doublé. Personne n'a fait le doublé, Arène. Personne n'a fait le doublé. Voilà. On pose ça là. Il joue bien en ce moment, Arthur?
Ça fait un moment que je l'ai pas vu parce qu'il était à l'US et tout, mais ouais, on a tapé ensemble, ça Ouais. sort bien de la raquette, hein, Ouais. ça se perd pas. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. Bon, en tous les cas, on est ravis de vous voir, Manu, et on est surtout ravis de vous voir intégrer ce tableau final. J'essaye d'actualiser, hein, mais pour l'instant, l'ATP est un petit peu lent sur l'actualisation. Voilà, on n'a pas reçu les mails. Je crois que j'ai entendu dire que mon adversaire était Lucky Loser et l'autre, j'ai pas. C'était en train d'être tiré, mais je crois que Drogué n'est pas Lucky Loser, donc je ne sais pas qui d'autre. Ah d'accord, ok. Bah, les Lucky Losers, ça peut être un Kenny de Schaeper, par exemple. Possible. En fait, je sais que Drogué est reparti parce qu'il n'était pas Lucky, et Rosencrantz, et je sais pas Eh qui ben, ça peut être d'autre. Dan Hadet que vous avez joué Clément ce Je sais pas matin, si Dan a ça peut être essayé. Kenny de Schepper, ou ça peut être, si Drogué est parti, il n'y a pas 50 solutions, hein. Ça peut être que deux en fait. Hein. Il y a une partie qualifiée, je viens qualifier l'excuseur, qualifier l'excuseur. Je sais pas. Bon, on va étudier le tableau de très près. Même question au directeur du tournoi, je sais que vous allez me faire une réponse de Normand, mais qui va gagner cet Open? Moi, je viens de voir un petit commentaire, c'est une question, c'est Marc joue au poker ce soir. J'ai vu aussi. Même sur Marc au poker ce soir, parce que c'est un très bon joueur. De Baptiste, de Rennes. Je suis très patient. On va prendre le micro et on va te poser la même question à Clément. Clément, qui va gagner l'Open cette année? Oh, je suis assez d'accord avec Manu, les challengers. Honnêtement, pour regarder beaucoup de résumés sur Internet, tout ça, je trouve que tout le monde joue vraiment super bien. Et là, c'est d'autant plus vrai. Le parcours est vraiment monstrueux. Mais je mettrais bien une petite pièce sur le pote de Manu, Arthur. Sur Arthur parce que, et Darknesh, ouais. J'aimerais bien que ce soit forcément un Français qui gagne. Oui, et, ça, on est vite. Et, je t'ai placé, toi. En plus, il a gagné l'année dernière. Donc, il connaît bien la salle. Il est invaincu dans cette salle. Et il jouera demain, hein, Arthur, pour le match de son premier tour. Et puis, normalement. Marc, oui. Qui va gagner l'Open cette Alors, année? Moi, j'espère un Français. Voilà, voilà, c'est bien. Il y en a un paquet, hein. Il y a une y vraie a, belle y en a délégation. Beaucoup, c'est pas le cas toutes les semaines, même en France, d'avoir autant de Français. Donc, peu importe. Mais c'est bien. Puis, il y a l'importance aussi pour les joueurs français de bien jouer sur leur territoire. Bien c'est sûr, bien sûr. Côté médiatique, tout ça. C'est... Puis, ils ont envie de bien jouer. Il y a plus de motivation. Il y a le public qui seront derrière eux. Donc, c'est nickel. Bon, en tous les cas, merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce premier numéro du Talk. C'est à retrouver tous les jours à 15h sur les différents réseaux sociaux de l'Open Blow de Rennes. Donc demain, de nouveaux invités et on vous parlera encore de cet Open. Mais on se retrouve à 18h45 ce soir pour le direct sur TVR. Andy Murray dans le premier match, Richard Gasquet dans le deuxième. Attention, bonne soirée à tous.